Bonjour! Ah, la touche. Ah, tiens. D'accord, attendez. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi c'est cette scène? Oula, il y a des trucs qui vont pas. Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Je vais réparer vite fait mon stream deck en live! Bonjour, bonjour. Bah ouais, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Voilà. Ah, j'ai delete des scènes, c'est pour ça. Voilà. Hop. Hop. C'est bon, on est là. Bonjour, bienvenue. Enfin le retour de notre rétro. Vous croyez que j'avais abandonné, mais non. Ce n'était qu'une feinte pendant l'été. Ouais, ça a été compliqué cet été. Donc là, le planning normal revient. On joue à 2000XX de 2000 Cross Cross. Enfin, on ne sait pas. Je ne connais pas du tout ce jeu. Et ensuite, on fera Chroma Squad. Victus! Ah, bientôt les noces de cuir. Merci, Jaria Connell, pour tes 23 mois de sub. Des gros bisous. Une mise à jour de Strange Brigade? Incroyable! Est-ce qu'ils vont corriger la trad française? Voilà, vous avez vu ce matin mes talents de. Mes talents dans tout ce qui est jeu tactique. J'espère que vous avez hâte. Ah, le jeu! Merci Raylak pour tes 30 mois de sub. Des gros bisous. Plein de petits pas. Raylak et Jaria, des gros bisous à vous. Chroma Squad, ouais, on va s'amuser avec les noms. Hein. On va s'amuser avec les noms. Alors, le jeu, il boot un peu quand il veut, en fait. C'est ça l'idée? Ah! Ça me dit que je dois utiliser une manette de Xbox 360. Ça tombe parfaitement bien. J'ai une manette de PS4. Hop. Alors, presse A. Oh, ça a l'air de marcher quand même. Enlever les QTE. Bon non, mais les QTE, elles sont cool. Oh, cette intro à la Mega Man 2. Donc ça, c'est le docteur Billy. C'est Mega Woman avec à côté Y. Oula. Oula les touches. Oula oula, attendez, attendez, attendez. Les touches, ça va pas du tout. Allô? Ok, donc ça va dire sors ta manette d'Xbox One. Ok, j'ai compris le jeu, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, j'ai compris. Du contenu téléchargeable.
Jouons. Alors j'espère qu'il y a un tuto, parce que... On m'a dit que c'était un Mega Man roguelike, c'est ça? J'espère qu'il y a une fin au jeu. Oh, ces déplacements. Donc il y a du rush. C'est l'air mieux que Mighty Number 9. C'est moche, mais c'est vrai. Alors, lance une lame dans 8 directions. Ouais, ça a l'air propre. C'est un jeu qui a été donné... C'est un jeu qui a été donné quand j'avais dit à quelqu'un de choisir le jeu qu'il voulait. Plus 1 force d'attaque. Et on m'a filé ce jeu-là. Je connaissais pas du tout. Elle est quelque chose. Ah oui, 30 de dégâts, c'est beaucoup en fait. D'accord, t'as les crédits. Oula. Démarrer une run. Amélioration. Schéma PV plus 1. J'ai pas assez de jetons d'âme. Je suppose que c'est ce qu'il y a en bas à gauche. Oh putain, ça a vraiment l'air d'un roguelike. Jouer avec Ace, jouer avec Nina. Ah, c'est plus un hommage là, hein. C'est ça commence à être chaud, hein. Et ils ont rien dit, Capcom. Ouais, du multi. Coach coop, réseau. Trouver une partie sur le réseau. Oh, tu peux jouer en coop. Ça a l'air d'être un roguelite, ouais. Ça va être sympa pour avoir une fin. Ouais, j'ai pu tester Mega Man 11 il y a quelques mois. Hop là.
Ah, jusque là. Du coup, j'en ai pensé quoi? J'ai été bien rassuré. Le jeu est plutôt cool. Seul truc qui m'a gêné un peu, c'est la musique. Mais sinon, level design, tout ça, c'était cool. Ça répond vraiment bien. Hein. Salut Arkham. Oh l'enfer. Franchement, si vous avez des manques de Mega Man, ça peut le faire. Hein. Enfin bon. Les gens attendent juste que je finisse le jeu pour faire Chroma Squad, je le sais. Les niveaux sont timés. Quoi, y'a un timer? Deux écrous, un PM. Oh non, ça va le faire. C'est pas trop trop dur. Ça va. Moi aussi j'aime pas les timers dans les jeux vidéo. Hein. La bague de gros bras. Prenez le pouvoir du boss, ou des écrous, ou une augmentation. Ah, je peux prendre le pouvoir du boss, tire en arc et explose au contact, soit des écrous. Le pouvoir inflige légèrement plus de dégâts. On va prendre le pouvoir du boss. Merci Nimendia pour tes 8 mois de sub, Ploppy. Pas du... J'ai sauvegardé et quitté, c'est-à-dire que... Donc c'est vraiment un roguelite, c'est-à-dire que là ça me ramène à la base. Ah d'accord. D'accord, merci Nimendia, des gros bisous. Ah d'accord, ça me remet là. Donc là je choisis le prochain boss, c'est ça?
Bien joué. Putain, et la vie se régène pas entre les niveaux, d'accord. Allez, bonne. Allez, bonnes ambiances. Allez, allez, bonnes ambiances. 3 écrous, 1 PV. Plus 1 à la santé max. Enfin, c'est complet le gameplay. Et où bah écoute. Zone de gloire, allez vite. Comment ça la gloire est éphémère? Ah d'accord, le pouvoir est... d'accord, c'est de l'énergie. Ah! L'enfer! Oh là là, et d'un coup, Kweko. Mais c'est violent. Non mais ça se passait bien et d'un coup il a fait non. D'accord. Et les améliorations Eh, on les garde pas, c'est ça? Oh putain, ça va être bien. Salut Java Hero! Merci pour tes bits! Tu aussi tu as regardé Jack machin sur Amazon. C'est la même mécanique que Dead Cell, certaines améliorations, le temps de la run, d'autres permanentes. M. Je vais jamais réussir. Hein. Y'a pas un mode Twitch aussi? Salut docteur. Attends, donne quelque chose pour regarder une série. Bah, ou c'est pour que les gens la découvrent? Parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens dedans? Ça me semble pas déconnant, moi. C'est...
qu'il y a des gens qui connaissaient pas, qui ont regardé et qui se sont dit ah bah la série a l'air pas mal. Ça c'est bien passé là. Ah c'est Tom Clancy en plus. Prenez le pouvoir du boss. Tire à peu près droit et super rapidement. Ah oh, bah c'est bien ça, moi vu que j'ai l'épée là. Le lotus de la mort. On l'a déjà fait. Ah bah c'est pas grave le Cory. For Honor, j'ai arrêté d'y jouer pour gagner hein. J'y joue pour me détendre et m'amuser. Ah, y'a rien. Sinon Spider-Man c'est bien, vous pouvez y aller. Finir ta thèse et te battre avec Pôle emploi. Ah putain, courage. T'es sur quoi la thèse? bits, laissez-moi deviner. Merci Max. Sur Rainbow Six Vegas 2, les Vegas, c'est ceux où ça a commencé à être beaucoup plus action, non? Je pourrais les rajouter, c'est vrai. Parce que Notso Retro, vous allez voir, c'est devenu incroyable. Mais la définition de Notso Retro, de jeu rétro, bah c'est tout ce qui est sorti avant aujourd'hui. Du coup, comme c'est sorti hier, c'est rétro. Donc on peut mettre ce qu'on veut dans la liste de jeux. C'est incroyable. Spider-Man, c'est rétro, c'est sorti hier. Enfin bref, je mets ce que je veux dans la liste. Sinon, pour moi, la règle, c'est rétro à partir du moment où la console n'est plus vendue neuve dans le magasin. Ça, c'est ma règle à moi, perso. Donc, PC, ce sera jamais rétro, parce que tu peux toujours acheter des PC en magasin. Mais envoie-moi un Wisp sur Twitch ou Discord de Varismatra avec Rainbow Six Siege, Passage Vegas et je vais regarder. Et pour Tomb Raider, concrètement, t'as aimé les deux d'avant, t'aimeras celui-là, quoi. Ça va pas chercher plus loin que ça. Oh putain!
soit amusant, hein, ouais, c'est pas très en stream après. Oh, la barre de vie. Oh l'enfer! Ah, je peux les tuer. +3 à l'énergie max. Ah, c'est une batterie pomme de terre. Alors non. Les attaques de base infligent légèrement plus de dégâts. On dit de ramasser les dégâts, oui, c'est juste qu'il est pas très doué. Bah, je t'emmerde. Alors... Oh, le masque, il a l'air vénère. Ciao, Warcam. À plus tard. Bon, sinon, les gens étaient pas mal hypés, hein, par... Ok. Par Valkyria Chronicle. Ce matin, ça fait plaisir. Profitez si vous voulez voir des jeux apparaître dans notre saut rétro, c'est la rentrée, c'est le moment. Oh, ça explose ça. Je pensais quoi de Spider-Man, j'ai adoré. Pardon. La stream, non, je trouve ça un peu dégueulasse. Ce qu'a fait Square en disant hey, achetez-le, hein. Ouais, et l'allure de mon perso. Oh. Après, tant mieux qu'ils le ressortent parce que c'est un jeu qui a... C'est un jeu qui mérite un peu plus de reconnaissance, selon moi. Mais voilà. Ah, visiblement, il y aura un nouveau moteur. Il est que annoncé sur PS4. Ouais, mais bon, ils vont le mettre sur PC. S'ils l'ont enlevé. Oh. Oh merde.
ça va être long comme jeu. Mais là, les PV de départ passent à 10 de façon permanente. Qui viendra vite avec un bonus de niveau 2. L'énergie de départ, voilà. Ah, c'est seulement la prochaine mission. Bah non, ça, on va pas... Moi, je prends les améliorations permanentes. Active, désactive, des améliorations permanentes. Et donc ça, tu débloques des trucs qui apparaissent, les ennemis laissent plus d'écrou derrière eux. Allez. Mais l'aléatoire de la stream lampe m'a traumatisé. Mais merci Raidak. Putain, mais je me suis tapé tellement de beats. Non, mais je sais pas, l'aléatoire de la Streamland, ça m'avait pas gavé à l'époque. J'avais bien aimé le système de combat. XCOM, c'est... Moi, en fait, XCOM, qui m'a gavé, c'est voir des coups à 90% foirés, quoi. Et ça arrive souvent. Je peux pas m'accroupir dans le jeu. Mais non, je sais bien que 90% c'est pas 100%, mais... Enfin voilà. Tu vois, XCOM, il est connu pour ça. Et du coup, je me suis pas amusé. Alors que Last Remnant, je me suis amusé. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Attends, si je peux aller là, à mon avis, il y a peut-être un truc. Ah, d'accord. C'est le boss. Attendez, il doit y avoir un autre truc de l'autre côté. Juste le nom du jeu, je vais aller chercher. Faut faire une plus grande portée. Waouh, c'est bien. Lui.
Par contre, j'ai une plus grande portée, mais ça enchaîne moins. Il est bien ce petit jeu là. Ça c'était pété comme pouvoir. Allez, on va essayer d'arriver jusqu'au masque cette fois. C'est pas ce que tes persos vont faire. C'est parce que t'es mauvais. Ah mais merde, mais... C'est l'élu. C'est le méchant élu, celui qui résistera. Salut Nidvix. Double saut. Oh là là. Et ça change vraiment l'allure mon perso. Oh c'est stylé. Ok, il est bien le jeu. Il y a aussi un mode coop, ouais, il y a un mode coop en ligne et canapé. Quoi, il y a quelqu'un qui a le jeu et qui veut tester avec moi, c'est ça? C'est cool. Non, j'ai déjà les bottes. Améliore votre vitesse. Ouais, puis il est pas très cher, hein. Un jeton. C'est quoi les jetons? J'ai pas de jetons. Ça va bien. Voilà.
J'ai mis tellement toute la mitraillette max dans les dents dès le départ. Ah, c'est le temps, d'accord. Prenez le pouvoir du boss. Libère une onde de choc qui écrase les ennemis et bloque les tirs. On prend une augmentation de vitesse. Voilà, ils ont l'air d'être deux. On va prendre la roue. La petite cinématique que tu vois lors de la préparation de repas à la cantine, elle change à un moment. Il y en a trois différentes. Je joue en normal, ouais. Pour le moment. Merci de double saut, hein. Enfin, j'aurais peut-être pas dû te dire le nombre, mais oui, elle change à des moments. Voilà. Là, j'aurais dû taffer sur mon portrait pour cet essai aujourd'hui. Finalement, je le ferai tout à l'heure. J'ai continué mon ménage tout à l'heure. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Donc pour rappel, hein, la journée de repos, elle passe le jeudi maintenant. Hein. Je vais jamais avoir de repos du coup avec cette histoire, mais... Déchire les ennemis à proximité. C'est zéro. Hein. Alors à mon avis, ça doit déchiqueter la barre de vie. Hein. Mais la portée... La portée, c'est zéro. Hein. Au cac sur les boss, il va leur faire mal. Ah oui, oui, à mon avis, les dégâts, ça doit être débile. Hein. Salut, Loka. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai 48. Immunise contre les renversements. Allez. Le Rollster. Oh mon dieu, ce look. Je me suis dit, tiens, c'est un peu facile au départ.
3 énergie max. Ah ouais, vu la puissance de la... Vu la puissance de la mitraillette, on va prendre ça. Hein. Les jumeaux astro. Ou cure. Allez, on va prendre cure. Le dragon. Qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est... Ah oui, ça fait... Ah oui, ça fait des dégâts, ça. C'était chaud, hein. Je l'ai vu, hein. Il y a des petits ralentissements de temps en temps. Glissade possible dans les 4 directions en plein vol. Ou le double saut. Ah, le glissade ou le double saut. Ah, je dirais le double saut. Ah oh, putain. La mort conne. Putain, mais il y a de la place pour beaucoup de cibles hein, quand même, hein. Ça va être chaud d'aller au bout. Oh, ça va être chaud d'aller au bout, hein. Numéro 1 des morts hilarantes, comité des échecs. Merci le jeu. Comme j'ai dit, hein, s'il y a quelqu'un qui a le jeu... C'est super vulgaire. Ah, il y a 3 vies. Bon, on va jouer normal quand même. Heureusement, je suis bon hein, dans les jeux vidéo. Eh, à chaque fois que je me connecte, il y a personne sur WoW. Quand je joue pas, vous jouez pas. Je voulais me connecter la dernière fois pour faire des mythiques et personne. Bon, il était 5h du mat.
Bah ouais, hein, moi je vais reroll côté horde. Hein. Le Demon Hunter. Ah d'ailleurs, je voulais faire des commandes pour ça. Le Demon Hunter, il sera côté horde. Hein. Ah, merci Tinu pour tes bits. Putain, mais je vais dire merci à Amazon. Hein. En fait, tu peux bourrer, hein. Tire-deck. Trop de vie. Dans la horde, tu risques pas de croiser le. Mais du coup, j'ai jamais rejoué avec le Corée, oh, je suis triste. Je trouve plus dur que tout à l'heure. Salut Bibulous. On va prendre le pouvoir, hein. Ah, le déchiqueteur, ouais. Tant pis, pour jouer Horde, va falloir attendre le DH. Merde, j'ai pas vu les piques. Ah, j'ai commencé à réfléchir à la liste du marathon Halloween aussi, attention. Que je joue le DH, ça dépend que de vous. Hein.
tellement secondaire le DH. C'est le marathon qui est plus important. Salut Maito. Que t'avais fait la liste du nominaton en mai? Non, 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 rien. Oh merde. Non, non, j'avais quelques jeux, mais là j'ai bien avancé. C'est chouette. Le timer, c'est pour avoir le petit coffre à la fin en fait. Avec de la régène de vie. Allez, on va tester lui. Bah oui, pour le coup, le shoot dans les 4 directions, ouais. Non mais l'art des mauvais choix. Hein. Beaucoup de fois ce puzzle quand même. Est-ce que je vais faire Tales of Vesperia? J'aimerais. On l'avait commencé, on l'avait pas terminé à cause d'un manque de rythme. Oh la nulle. Ce sera peut-être l'occasion de prendre une revanche dessus, ouais. Après il sort quand? Calculé.
Vol pendant une seconde. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah! 3 mois par année, ça va être le but escompté, même si j'ai du mal à comprendre la raison. Alors, on va prendre 2 secondes, Wild Baboon, parce que je pense que tu pars un peu trop vite. J'ai juste pas vu. Excuse-moi, le jeu me demande pas mal d'attention. Si tu le prends comme ça, je vais pas te retenir. Mais concrètement, c'est juste que le jeu me demande pas mal d'attention. Vous êtes 200 sur le chat. Des fois, je vois pas plusieurs phrases. Voilà. Donc, merci de m'avoir fait mettre le stream en pause pour toi. Donc, je vais te répondre. Tu peux me faire des suggestions de ce rétro par MP. Voilà. Janvier Tales of? Ouais, janvier, ça va être chaud. Janvier, y a RE... Y'a RE2 qui sort. Bah, Kingdom Hearts, ça va être compliqué parce que j'ai plus les précédents en tête. Ça va, Ace Combat, ça va. Pas lui dans la... C'est de la triche un peu. C'est long doudou. Je cherche pas, y a pas besoin d'épiloguer. Je peux pas voir tout le monde, y en a qui apprécient pas, écoute. Oh bah dis donc. Les attaques qui tuent peuvent restaurer de la santé. Oh. Oh mais elle part bien cette run. Je crois qu'il y a autre chose qui sort. Merci Wistiti, les bisous.
Ah non, mais même au chat, enfin, c'est. Même au chat, mais. Faut pas réagir comme ça, c'est. Ah, parce que j'ai plus. Alors pourquoi j'ai un pouvoir sur LB? Oh, je peux avoir plusieurs pouvoirs! On va prendre lui, il a l'air simple. Enfin bon, c'est bon, on a compris. On s'aime tous. Pas du tout de la panique hein, dans mes mouvements. Voilà docteur, on t'a répondu. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode de Jack Bonfion et de me donner des sous derrière. Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup. Une faute dans la vie que tu as laissée dans Astro Boy. Une faute de frappe, c'est possible. La faute d'orthographe, c'est un peu la signature. Hein. Ça marche plus de regarder. Oh. Du coup, ça veut dire qu'on peut mettre Uncharted. Avec ma nouvelle règle, ça veut dire qu'on peut mettre Uncharted 4 dans notre rétro. Oh, j'ai failli briller, j'ai fait de la merde. Mais oui, Spider-Man PS4 est rétro, il est sorti hier. Hier, c'est le passé. Salut Mitrodix. Hier, c'est le passé. Ta
À quand Dishonored 2? Eh ben je vais le mettre, je l'ai pas mis. Combien j'ai? 27. Oh, alors Suikoden 2, j'ai très très peur. Parce que dès que je vais le faire, on va avoir tous les PGM qui vont dire « Ouais, mais tu fais les 108 fantômes, là !»« Tu fais pas les 108 fantômes, mais t'es un noob !» Il est perfect le boss là. Alors, on va faire l'étoile éternelle. Personne ne backseat sur Twitch, c'est vrai? Regardez le petit robot, il a coupé le fil en dessous. On a des cotillons. C'est un peu ma réaction face au scénar du jeu. Il y a combien de musiques différentes? Pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. On pourrait mettre Destiny 2. J'attends les petites remarques à base de... Mais tu parles beaucoup de Destiny 2 en ce moment. Ah bah voilà. Vous adoreriez un live Halo avec Epion. Je pense que j'aimerais aussi, mais je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop occupé. La vie a pris cher un peu là. Mais un marathon à Halo avec Epion, ça pourrait être stylé. À côté, il t'explique tout le... Ok. Ah
Ah, tu perds du temps à chaque fois que tu te fais toucher. Oh l'enfer! Oh, j'ai tenté de bourrer. Je me suis fait bourrer. J'ai pas déjà fait tous les halos. Non, j'ai joué qu'au premier avec Tom. On va jamais y réussir à aller au bout. Hein. Commence la run avec un coffre d'armes principales. Oh! C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend. On va essayer de reprendre Ace. Voilà, les jetons d'âme disparaissent. Trop sur Matrix The Pass of Neo, c'était pas le pire jeu Matrix. Hein. Alors des fois il y a des ennemis, ouais voilà, il y a des ennemis qui brillent. C'est pas Hunter the Matrix le pire. Ouch. Je sais pas, il y a eu des bons jeux Matrix. Il y a eu des bons films Matrix. Je te fais un magnifique saut à la Batman NES et derrière je te fais de la merde. Salut le Fabou. Matrix c'est rétro. Non je déconne, j'aime bien les films Matrix. Hein. Ah là là, j'oublie que. Mais...
Ah là là. Non, le pouvoir est pas bien. Du coup, ça sert à rien de prendre de l'énergie max, puisque j'ai pas de pouvoir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ah, il brillait. Alors, je suis incapable de vous dire si la musique est la même de niveau en niveau ou si elle change. Ah oui, ils ont fait la démo de Project Justice machin là. Sur la JVTV, je sais pas si vous avez vu. Et ça me sauce toujours pas en fait. Ouais, Judge Eye. Non mais le héros, il a les mêmes animations que Kiryu. Il a des animations de finish, c'est les mêmes animations que Kiryu, quoi. Je trouve ça mais feignant. Tu m'étonnes que... Tu vois, tout le monde est là en disant « Waouh, ça sort en décembre et tout ». Bah c'est normal, ils ont tout repris les choses qui existaient déjà. C'est normal que le jeu il sorte vite. Voilà, j'ai fait mon connard. Fallait pas teaser ça comme un projet vraiment différent d'un Yakuza. J'ai l'impression d'être le seul à penser ça, que tout le monde est hypé par le projet. Du Kaiser Chaton. Là, pour continuer de faire mon vieux con aigri, les trucs policiers comme ça, c'est ce qui me gave à la télé. Alors j'ai pas envie de voir ça dans des jeux vidéo, quoi. Ça change. Non, il y a des intrigues qui arrivent. Le mec il se balade dans la rue, il met des patates et il résout les énigmes.
C'est exactement Yakuza, sauf que t'es du côté de la loi. Salut Juanito. Si tu avais un jeu d'Eric avec le moteur Yakuza, bah j'en voudrais pas. J'aurais préféré qu'ils sortent Yakuza Isen. Yakuza Misen. J'aurais préféré. Non! Oh! T'aimes pas le jeu, je m'attendais à l'autre épisode. Non, je m'attendais à quelque chose de... Mais merde! Je m'attendais à quelque chose de vraiment différent parce qu'ils ont teasé qu'ils projettent sur un... Qu'ils t'a fait sur un projet vraiment différent. Je suis mort comme un as, là. C'est même la même ville, quoi. Ça fait 20 ans qu'ils nous font des jeux sur la même ville. Ouais, enfin on n'a pas dit qu'on n'aimait pas le jeu, j'ai dit que ça m'intéressait pas.
C'est le Dragon, c'est le Dragon Engine de Kiwami 2. Ils ont juste changé le filtre pour donner une image un peu plus froide. Ah, je suis content de les avoir en premier. Tellement bourré. De toute façon, il y a eu un nouveau trailer de Sekiro et c'est tout ce qu'ils font. Non, c'est un jeu à part entière, petit jeu indé, je dirais. C'est plutôt cool hein, comme jeu. Hein. Mélange de Megaman et de Roguelike. Roguelite. J'ai jamais compris la différence entre Roguelite et Roguelike. C'est un bullshit, d'accord. Il est bien ce tien. Like, ça a tous les composants de Rogue et Light, ça en a que quelques-uns. Laboratoire très sécurisé. Je
Tuer un boss restaure la santé, pas d'autre guérison. Ah, j'aurais plus d'autres objets de soins quand tuant un boss. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Voilà, à mon avis, je peux potentiellement faire très mal. Hein. Pep. C'est de la merde, c'est plus casual. C'est vrai. D'accord, 10 écrous. Ghost of Tsushima. Ouais, on en a pas vu grand chose de Tsushima, malheureusement. On n'a pas eu de phase de gameplay manette en main. Mais le Japon féodal à la côte. Hein. Genre il l'a toujours eu mais... C'est grâce à For Honor, tout est. Oh là là, mais ces trucs où y a rien. Le jeu avec le feeling Monster Hunter a l'air stylé. Ah, le Project Awakening? Ouais. Alors, généralement, quand le nom a Project dans son nom, c'est que. On en est vraiment loin, hein. Mais c'était marrant parce que les éditeurs, les années précédentes, se concentraient beaucoup sur. On vous demande des choses qui sortent cette année. Et là Sony. Et regardez, on travaille sur les trucs quoi. Une Bethesda. Pareil, le nouveau projet d'Hideo Baba aussi. Ah, tu vas voir que le Shugoki, hélas, Tendrem, il a. On est au fin fond de la tier list. Incompatible. Ah oui, d'accord, je peux plus me soigner autrement qu'en tuant des boss. Ok.
Ouais, Shugoki, ça a pas beaucoup de possibilités. Ça c'est bien. Je crois qu'on a jamais pris le pingouin. On va tester. Salut Lurkerzorg. Il est trop bien, bah il manque vraiment de. Il y a la nouvelle date du Nintendo Direct qui vient de tomber. Ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit. La Ramusha, c'est. C'est un kéké en peignoir. Bah, les joueurs en ce moment réclament des reworks de la Ramusha et de. De la Ramusha et du Shugoki. Oula, oula, il m'est arrivé des trucs là au niveau des stats, j'ai pas. Oh l'enfer! Je sais pas, je vais peut-être finir par le jouer la Ramusha. Hein. Et ici bam. Les pouvoirs consomment le maximum d'énergie et infligent des dégâts considérables. Votre santé mentale chancelle. Oula, oula. J'abuse un peu des pouvoirs interdits, visiblement.
Et c'est vrai que je peux plus me soigner. Faut que je fasse gaffe. La santé récupérée peut accorder de l'armure. Hausse de dégâts d'attaque, baisse de dégâts des pouvoirs. Ouais, je l'ai explosé. Ouais, j'ai des trucs en fait qui renforcent les dégâts de mon pouvoir. Je fais gaffe à ma santé. Alors, les glissades accordent un bouclier. Oh, je suis bien là. Oh, je suis Mega Woman. Oh là là! Oh mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis sûr que je peux faire un... Oh, je deviens bon! La nouvelle pour la série, le personnage de Siri. Attends, y a rien d'officiel. Y a rien d'officiel. C'est juste un truc qu'ils ont sorti comme ça. Ah d'accord, donc là y'a... Par contre, ça réduit ma capacité de pouvoir max de l'utiliser.
Vous avez vu ma barre bleue, comment elle baisse à mort? Siri serait joué par Samuel L. Jackson. Vous savez... Bon, c'est vrai que Siri, elle est dépeinte comme étant blanche comme un cul, hein, dans Witcher. Mais juste comme ça, Heimdall, dans... dans la mythologie nordique, cherchez le mot, est décrit comme étant la plus blanche des personnes. C'est The Whitest Man on Earth. Enfin, un truc comme ça. C'est The Whitest God, vous voyez ? Et c'est Idris Elba qui joue Heimdall. Et on n'en a pas fait un plat. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec Star Sapphire dans les Titans, ça peut être que du bon, hein, finalement. Ah, par contre, ça c'est l'enfer, hein, de pas pouvoir me soigner. Oh là 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 là, les niveaux ça commence à être un peu l'enfer. Hein. Elle a été dépeinte dans les jeux. Mais c'est pas une adaptation des jeux. En fait, vous vouliez juste Emma Watson dans le rôle de Siri. Et vous êtes déçu. Merci GZ pour tes 2 mois de sub. C'est alors c'est écrit juste au-dessus de ma tête. C'est 2000XX. C'est un mélange de Megaman et de Rogue Light. Et c'est stylé, franchement c'est stylé. Hein. Alors que Eva Green, tu lui mets une perruque blanche, c'est Siri. Hein.
faire. Evergreen, c'est Yennefer. Ah. Parce que deux boss. Vous voyez à quel point c'est déjà l'enfer. Attendez, je prends deux secondes. J'en suis un dans le jeu, ça a l'air. Et je suis en normal, sinon, au niveau de la difficulté. Il me reste 2 heures. Alors, pas forcément... Raidak. Parce que j'ai vu des photos de Mads Mikkelsen en Geralt, ça rend super bien. Triss, c'était pas Emma Stone. Mads Mikkelsen, il est un peu occupé en ce moment. C'est un peu chaud le timing là. Oh là 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 là, la fenêtre pour sauter, elle est tellement courte. C'est chaud, hein.
dommage. De peu. Oh putain, ça s'arrête quand? Mais ça s'arrête un moment. Oh là là, il me reste 4 points de vie et je peux pas me soigner. Ah putain. Ça va être chaud, hein. C'est bon, il s'est posé devant moi. C'est bon. Il a fait l'erreur. Oui, j'ai quasi plus spécial. Oh, ça commence à être un peu tordu.
Alors ça c'est dégueulasse hein. Hors screen J'ai pas compris. Merde, j'avais des ch... Ah non, c'est une icône. Oh là là, je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Ouais, c'est un peu cuit là. Ah, les Grimfield, à quelle heure je vais jouer à Chroma Squad? Bah, quand j'aurai fini ce jeu là. Oh, puis je commence à avoir mal au crâne. Ça fait que 2 heures que je joue. Non, mais le premier objet, c'est ce qui m'a tué en fait dans la run là. C'est. Le truc qui me soigne sur les boss, mais je peux plus me soigner du tout. Ces scènes, je les comprends pas. Bon bah on est reparti. Et au-dessus c'est quoi? Défi quotidien, défi hardcore. Ah, si je commence à bailler, c'est que c'est un vrai mal de crâne. Peut-être faire peut-être une dernière run et on va voir. Alors, Project Jones sera dispo en Europe en 2019. Ah, c'est vrai que mon tir il est nul là.
Ah, il y avait rien. J'ai été floué par le jeu. Mais au final, j'ai l'impression que personne connaît ce jeu. Je le connaissais pas non plus. Hein. Non, c'est totalement généré aléatoirement. C'est totalement procédural. T'as des assets par monstre. En fait, faut vraiment prendre les plus chiants. Consomme le maximum d'énergie mais inflige des dégâts considérables. On va reprendre ça, c'était bien. Bah ouais ouais ouais, non mais il a... le jeu est cool hein, mais c'est vrai que j'en avais pas du tout entendu parler quoi. C'est tout le chat? Tu me donnes que ça? Ah bah bravo! Ne vous inquiétez pas, Chroma Squad, ça arrive. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud chez moi? Thank you.
énorme balle à tirer. On va prendre les jumeaux. Faut aller au bout là. Mais non, mais non. Hausse des dégâts des attaques, baisse des dégâts de pouvoir. Non. Plus de vie. Strange, je vais y aller là, mais oui. Ouais, ils l'ont mis sur sur Steam, j'avais vu. Mais ouais, ils ont prévu pas mal de choses. J'ai vu que ça a été mis à jour aussi, le jeu a été mis à jour. Oh, les dégâts qu'ils mangent. Oh, les dégâts qu'il mange! Les deux augmentations là. Alors j'ai un pouvoir qui augmente énormément le dégât de mes compétences, mais qui réduit la capacité de ma magie. Mais là c'est la bonne, je veux terminer le jeu. Isaac, bientôt dans notre rétro. Hein.
Je suis fan avec ça. Bah forcément, j'ai une règle d'or dans Isaac, c'est... Je ramasse tous les objets. Et en ramassant les objets, bah il n'y a plus d'histoire de réfléchir à un build. Ouais, c'est vrai que je trouve ça cool qu'ils incluent un mode comme ça. J'espère qu'ils mettront les musiques, parce que les musiques étaient ultra cool de Antiburst. Le méchant, il a fait sproch. The Last Remnant va sortir également chez nous le 6 décembre sur PS4 au prix de 20€. Bah, je me le prendrai. Alors, on va commencer à avoir un peu de concentration parce que c'est les niveaux de l'enfer. Salut Yumik.
La petite pause, hein, je regarde le chat. De quoi tu crois qu'il est mort? Il exploite le bloc. Mais non! Tellement de vie! Tellement de vie! Oh, encore un. Ah non, c'est un énergie max. Oh là là, je peux encore prendre ça. J'ai plus beaucoup de... Je chope pas d'augmentation de jauge de pouvoir et elle commence à vraiment baisser. Ouais, et si je crève pas hein, dans le niveau hein. Ok, bah c'était l'enfer. Les ennemis qui te chassent dans les plateformes où t'as des pics et des... des canons qui te tirent dessus. Voilà, mon cerveau il en pouvait plus. Hein. Ouais, c'est juste que t'as 3 vies en fait. Au pire, la prochaine session, si j'ai du mal, on verra en facile. Oh là là, encore celui-là. Non, il m'emmerde, il est pratique. Mais... Merci Mila pour tes 17 mois de sub. Des bisous. Là, je suis en train de faire un... combo pas gagnant du tout entre j'ai très chaud et j'ai mal au crâne, ça va être bien. Ouais, je pense que ce sera la dernière. Hein.
Non, non, bah là je vais. Alors, ce qui me fait chier, c'est que je voulais bosser sur cet essai. Mais là, je vais finir le live et je vais m'allonger. Ça devrait être bon pour ce soir. Cantino, c'est vraiment cool. Les derniers niveaux, c'est démoniaque, mais sinon c'est cool. Hein. Ouais, je pense qu'on a passé le stade du début de la migraine. Ouais, c'est bizarre, il fait super chaud là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Comment ça, ce bourrage? Ceux qui apprécient les BR, visiblement le BR de Call of Duty n'est pas dégueu. Hein. Et il y a la bêta ouverte sur PC vendredi, je crois. Ouais, visiblement c'est un PUBG un peu plus arcade quoi.
qu'à attendre celui de Battlefield. Hein. Steve. En fait, le cristal traverse la cible, ça peut être pas mal. Ensuite... À 64, si c'est vrai, c'est triste. Barrière Fear the Wall, c'était 50. Bon, Fear the Wolf, édité par Webedia Gaming, qui s'est tapé 9 sur 20 sur jeuxvideo.com. Hein. Taïon Rivid, Spider-Man, vraiment très très cool. Peut-être un peu fait à la va-vite. Pour le moment, BF, les retours sont pas forcément super. Et le pari de Call of de pas faire de campagne, de sortir un Battle Royale, c'est visiblement en train de payer parce que les retours, eux, sont plutôt bons. C'est un Mega Man Roguelite.
Spider-Man et c'était extrêmement cool. J'ai hâte de voir les DLC et j'ai hâte de voir la suite du jeu. Ouais, mais c'est un PUBG plus arcade. Parce que justement, les gens reprochent à PUBG d'être un peu trop coincé du cul. Tu vois, un peu trop dans le délire très armé, très réaliste. Je crois qu'il y aura un 2. Oui, il y aura un 2. Concentré, hein. Après, comme il disait ce midi, faut voir le modèle économique, quoi. Est-ce qu'ils vont le rendre gratos avec un cash shop? Est-ce qu'ils vont le vendre avec Call of? Oula. Les gens disent du bien de Call of, mais c'est BF, il n'y a pas de renouvellement qu'on dise c'est un BR, c'est du renouvellement. Pour moi, le Call of, c'est comme les FIFA qui sortent chaque année. Ouais, ouais, ouais. Mais bien sûr, hein. Bien sûr que c'est juste ça, hein. Eux aussi, ils veulent croquer dans le marché du BR, hein. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment du mal à... Là, je commence à avoir très très mal au crâne. Donc on va faire ça. Et je vais m'arrêter là.
Mais j'ai vraiment mal à la crâne. Et regardez, ça se voit. C'est que je deviens de plus en plus blanc, si vous remarquez bien. Donc ça veut dire que j'ai mal au crâne, que je commence à être vraiment pas bien. Ça va, j'arrive à le sentir avant de m'effondrer. Ce serait con que je m'effondre en live quand même. Ça ferait un beau clip, hein. Tu sais, les dangers du streaming, cet homme va trop loin pour son public. Mais voilà, ouais, du coup, je m'arrête là. Je vais me plonger dans mon lit avec une bonne bouteille d'eau fraîche et des médocs. Et je vous tiens informé. Normalement, c'est bon, hein. Normalement, vraiment, ce soir, il n'y a pas de souci. Vous en faites pas. Et on continue 2000XX demain. Ouais, demain, c'est ça, demain. Voilà, des bisous. Merci d'avoir été là. Désolé de couper plus tôt. Et à tout à l'heure. Voilà, des bisous.